Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Dans la tête d'un pigeon. On est en table finale ici. Donc, ce qui est intéressant pour ce tournoi, c'est que il y avait 3281 joueurs. Donc là, on n'est plus que 9. Je suis low stack, je suis 8e sur 9, tournoi à 4,40. Et je suis assuré de 44 piastres. Pour la 9e place, mais j'ai eu des bounties aussi. Donc, une dizaine de dollars aussi. Donc, c'est parti pour la table finale. Ça serait intéressant. Le prochain step, là, il y a le prochain step jump qui est à. Le prochain montant, c'est 62,56. Donc, 18 piastres de step jump s'il se fait éliminer. Il est carré, assurément. Excellent, excellent. C'est bon, c'est bon. Super. Ça aurait été encore mieux que ce soit lui qui gagne, parce qu'on aurait eu une double élimination, mais on la prend. Donc on est rendu le short stack de la table, mais on est à 62 piastres maintenant. Sur un tournoi à 4 piastres, c'est cool pareil. Surtout 3281 entrées, être 8e, c'est, je suis très satisfait jusqu'à maintenant. Ouais, j'ai fold King Trèfle ici sur un open d'UTG. J'ai pas de profondeur de stack, donc ça va être. On jouera aucune main marginale ici. Prochain step jump step, step by step, je sais pas comment le dire, mais bref, le prochain palier, on parle de 26 piastres, ce serait pas de refus, tant qu'à moi, vous pouvez bien tout mourir, laissez-moi, oh, on avait... Flush draw.
quand même beaucoup déjà dans le pot. Qui s'est fait un beau petit magot. Donc les la bourse, vous pouvez voir ici, 631,75 pour la première place plus les bounties. Donc normalement c'est le double, on parle de 1200 américains à peu près, 630 la deuxième, 358 troisième et ainsi de suite. Ça c'est une main que j'aime bien. J'aurais aimé ça l'avoir dans les last positions, mais je peux rien faire dessus. À 14 bébés, ce serait bien de double up, ce serait bien. Mon estomac est en train de suffoquer, là. Ça fait je sais pas combien d'heures que j'ai pas mangé. Peut-être 10. Je suis pas capable de manger dans cet état d'excitation de fin de tournoi, donc je préfère manger à la fin. Voilà, c'était les aventures de mes intestins. On va shove. Et on est calé par mieux, malheureusement. Mais le 8 peut peut-être nous sauver la vie. Et oui! Full house!
Yes! On a double up. On est de retour. Sixième sur huit. Yes. Oh, main sexy ici. Belle position aussi. Avec un beau bounty à 70 pièces ici. On va juste call. En position contre l'open raise. Oh, malheureusement, là, le bouton call aussi. Flop, il n'est pas très bon. Mais on va avoir une carte. Ouais, non, on n'aura pas de carte. Ça va dépendre de. Oui. Ah non, ok. C'est le small blind. Un bébé, on va y aller. Malheureusement. On va abandonner le projet. Avec 25 bébés, on respire plus qu'avec 13. Je pense que j'avais 13-14 tantôt. On reste quand même très short là, comparativement au top 3, mais. On est quand même moins dans la danger zone. Voilà. Excellente chanson d'ailleurs. Que j'ai déjà fait jouer aux soirées Poker Face, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui connaissent les soirées Poker Face. En passant, si vous ne l'avez pas fait, allez tout de suite sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous. Abonnez-vous et cliquez la petite cloche pour recevoir les nouveaux vidéos que je vais publier. Quand je fais l'étape finale, je fais des vidéos. Ici, je vais juste open raise en espérant que lui shove. Je leur ai snap call. Mais j'aurais bien aimé l'embarquer quand même. Ok. C'est sûr que le roi est plus dans ma range que le small et big blind. On va 6 bet. Un tiers pot. Malheureusement, il call, il raise. Et notre stack ne nous permet pas de continuer ici l'agression. Surtout que le King est plus dans ma range quand il fait ce raise-là après mon c-bet plus un call d'un autre joueur. Il montre beaucoup de force ici. Ça peut être brelan, deux paires plus. Ben, deux paires plus, brelan. Ou peut-être juste le king, mais même juste le king, c'est un peu bizarre de faire ce raise-là. Moi, à sa place, j'aurais juste call, mais. Fait que ça sonne plus brelan. Ou deux paires. Puis en même temps, c'est le chip leader.
C'est sûr qu'il peut agresser beaucoup avec son stack, mais en même temps, dans cette situation-là, je pense pas que. Vu que c'est moi qui avais open raise la préflop, je pense pas que c'était très pertinent pour lui de juste faire un jeu exploitant ici sans rien avoir touché sur le board, là. Il va avoir des meilleurs spots, de toute façon. Puis normalement, j'aurais shove avec pocket 10, avec le stack que j'avais. Mais comme je disais, c'était vraiment pour faire rentrer le petit stack avec un gros bounty, 70 pièces de bounty. C'était l'unique raison de pourquoi j'ai juste min-raise. On a toujours deux stacks justement qui m'entourent ici, qui sont plus petits que moi. Donc, il n'y a pas de stress parce que techniquement, en stratégie ICM, c'est payant de juste laisser passer le temps, puis voir que ces petits stacks-là continuent de diminuer pour peut-être gagner des positions sans rien avoir à faire. Parce que là, comme la sixième place paye 125 $. Donc là, présentement, on est à 62, fait que deux positions et on a doublé ce qu'on gagne jusqu'à maintenant. C'est une belle main, surtout en small blind. J'aurais aimé là un early position qui fait un open raise, par exemple. Ça va être difficile. Surtout avec le 3-bet ici. C'est encore, là, c'est facile, par exemple. Facile à fold. On retombe assez short en big blind parce que le niveau vient de monter, les blinds. Rendu à 15 bébés. Monsieur est all-in ici avec 70 pièces. Il n'y a pas de fold equity avec son bounty, fait qu'il va se faire call, c'est certain. Par ces trois messieurs ou mesdames, peu importe. Là, on souhaite. C'est sûr que c'est triste de voir partir un beau bounty comme ça, mais quand même, on va gagner 18 pièces s'il se fait éliminer. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Il démontre beaucoup de force ici, je pense que lui, il va se coucher aussi. Wow. Oh, wow. Ça, c'est encore mieux. Il y avait une super main pour le petit stack qui lui restait, là. Pas chanceux quand même, mais. Tout ça pour dire qu'on n'est plus que 7 et moi, je suis rendu à 88 piastres assurés, plus 10 piastres de. Donc, pratiquement 100 piastres, 100 $ américains sur un tournoi à 4 piastres. Lui, 46 pièces de bounty quand même pour 12 bébés, il se fait call, ouais. Donc on a pocket king ici. Oh, par contre, ouais, il est éliminé. Yes. Wow, incroyable. Wow. On est assuré de 125 pièces maintenant. Plus que 6 joueurs. C'est inespéré.
On est parti presque. On est le short stack de la table. Un beau bounty à 36 pièces, ça vous tente pas? Callez-moi ça là. Oh yes! Fait que là, on prend pour lui. Pocket Ace contre Ace King. Je pense que. Oh! Je pense qu'il est dominé. C'est terminé pour monsieur ici. Je suis rendu cinquième, assuré de 178 $ maintenant, en ayant juste regardé le spectacle. C'est un beau spectacle. J'apprécie le spectacle. Si j'ai As 2 en big blind. Pense que c'est un call, ça. On call, puis on essaie de doubler. Oui, on a l'avance. On espère, on fait une prière. On prie le Seigneur, malheureusement. C'est terminé. Mais. Wow, plus 21 pièces de prime. C'était un bon call en blind versus blind. On avait l'avance en préflop. Malheureusement, la turn. On peut revoir. La turn. Qui lui a amené un 9, puis il a fait deux paires même à la. On avait une paire en fait, même, c'est ça. Mais malheureusement. Avec le stack qu'on a, on n'a vraiment pas à se plaindre. Et on explose la bankroll, qui est un super beau score. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié. J'ai pas gagné, mais. Hein. C'est une cinquième position qui se prend très bien. Donc voilà, c'était cette table finale pour cette fin de soirée du 19 juin 2020. Alors, comme je disais, abonnez-vous sur. Là, j'en ai diffusé deux tables finales aujourd'hui. Abonnez-vous sur le Poker Face VIP YouTube, puis activer la cloche pour recevoir les notifications. Et moi, je m'en vais manger. J'ai très faim. Mon estomac, d'ailleurs, me le fait dire. Alors, merci. Bonne soirée. Bye bye.